Voilà, dames et messieurs, bonjour, bonsoir. Je viens de me réveiller. Vous savez, je couvrais deux événements hier, deux mariages hier. Et dès que je me réveille, c'est un réflexe. Je suis directement allé sur Facebook pour savoir il y a quoi de nouveau au soleil. Je me rends compte que le général Valsero et maman Annie Anzoé ont fait fort hier. Ah oui, hier c'était le 6. Le concert de Valsero et maman Annie Anzoé à la Madeleine. Et je vous assure, j'ai regardé les vidéos. Je suis content. Avant donc de commencer ma vidéo, j'ai dit un coucou, un bravo à maman Annie Anzoé et au général Valsero. Comme je disais donc que je viens de me réveiller, je suis allé sur Facebook. Je vous assure, Facebook est calme. Vous vous rappelez la fois passée? Quand Valsero avait tapé poteau. Je suis allé presque sur toutes les pages là. Regardez si les gars ont fait même seulement un seul post. C'est-à-dire que les gars sont seulement là quand c'est mauvais. Quand c'est bon, tout le monde est sous silencieux. Si vous avez remarqué, je suis au même endroit que la fois passée. J'étais ici, c'est vrai, les herbes ont un peu poussé. Je suis revenu au même endroit. Pourquoi? Parce que je voulais faire comprendre à certains que nous sommes libres. Nous sommes libres de donner notre opinion, de nous exprimer sur Facebook. Pas pour vous faire plaisir, mais on est obligé de dire parfois ce que nous-mêmes on ressent. Parce que la fois passée, toujours ici, quand j'ai critiqué Valsero, comme il avait lors son concert, certains ont dit que j'étais jaloux de Valsero, je suis maintenant. Je reviens aujourd'hui pour apprécier Valsero. Et Valsero lui-même a compris ce qu'on disait la fois passée. Qu'au lieu de faire la promotion de son concert, il a passé son temps à parler de X. Vous avez vu les temps-ci, il était concentré à communiquer pour son concert. Il a un peu laissé le nom de X tranquille. Et lui-même, il a vu le résultat. Voilà le résultat qui parle de lui-même. Et toi-même, Général Valsero, tu disais la fois passée, quand tu avais tapé poteau, que non, ton style de musique n'est pas du genre, les gens vont trop venir en salle parce que tu es un combattant, parce que c'est beaucoup plus politique. Qu'est-ce que les gens là faisaient hier? Les gens ont fait le plein hier. La fois passée, on disait que oh, c'était ton parti qui avait fait ta force et tout. Bon, cette fois-ci, les jaloux vont encore dire que c'est maman Annie Anzoé. Non! Il y a eu la communication. Moi-même, j'ai pris 3 semaines. Chaque jour, je ne faisais jamais une vidéo. Si je ne parle pas de ton concert, je mettais même seulement le visuel de ton concert. Je ne sais pas si ma com pendant 3 semaines a eu un impact. Bon, si ça a eu un impact ou pas, ce n'était pas ça le but. C'était juste de faire savoir aux gens que tel jour, à tel endroit, il y a le concert du général Vassero. Et je suis très fier du résultat parce que, comme je lisais sur les commentaires, chaque fois quand je faisais aussi les vidéos pour te soutenir, il y a certains qui disaient, il va encore taper poteau comme la fois passée, il chante quoi, matati patata. Ceux qui bavardent là, vous ne connaissez pas le général Valsero. Et hier, vous avez vu le boom. Vous allez encore dire quoi maintenant? Que c'est maman Annie Anzoé, n'est-ce pas? Comment vous connaissez là, vous avez toujours à dire, oui, que c'est grâce à maman Annie. Non, 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 non. Et ce qui m'a surpris, hier, Valsero était habillé toujours de la même manière que la fois passée, même si l'habillement. Et c'est les mêmes sons qu'il chantait. Regardez comment les gens étaient tellement contents en salle. Regardez comment la salle était bondée. Valsero, vraiment, grand frère, tu as fait fort. Et tu as fermé beaucoup de bouches, comme je disais la fois passée. Parce qu'il disait que si tu ruines ton concert, si les petits aigris là vont un peu fermer leur bouche. Donc, les amis, comprenez que nous sommes parfois libres de donner notre opinion et on doit dire ce que nous on pense. C'est ça qu'on appelle la liberté d'expression. On dit aussi parfois ce qu'on pense. Quand c'est bien, on apprécie comme je suis en train de faire. Quand c'est mauvais, on a le droit également de critiquer. On ne critique pas. Parce qu'on a mal, parce qu'on est jaloux, parce que on ne veut pas voir le frère évoluer, parce que non, 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 rien à voir. Moi, particulièrement, quand c'est bien, je dis c'est bien. Hier, là, c'était vraiment. J'ai regardé les images, j'ai dit waouh, 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 waouh. Et j'ai dit encore waouh, bravo,
Maman, on y a joué pour ton retour sur scène. Oui, tu nous as beaucoup manqué. Et je pense que hier, avec le général Vassero, papa, vous avez apporté encore beaucoup d'amour dans le cœur des Camerounais. En passant, les Camerounais, il n'y a que de l'amour. Il n'y a que de l'amour. Que de l'amour. Voilà. Aimons-nous les uns les autres. Ciao, c'était le général Franco. Ne ratez surtout pas cette promotion au complexe Las Vegas. Avec 600 000 francs, le complexe Las Vegas met à votre disposition une salle purement climatisée de 300 places avec des tables, des chaises décorées comme vous pouvez voir là, couverts, tapis rouge, deux chaises royales pour les mariés, une chambre de noces, une voiture, y compris le chauffeur pour les mariés, le Didier avec l'arsenal musical. Ne ratez pas cette promotion. N'oubliez pas surtout qu'au complexe Las Vegas, il y a également un motel de 20 chambres, 10 chambres VIP, 10 chambres classiques, un snack bar, un restaurant. Il y a également un espace pour cuisiner. Il y a le château d'eau, sans oublier le groupe électrogène en cas de coupure électrique. Contactez rapidement le complexe Las Vegas qui est situé au niveau de Mesassi, Pont et Mana. Ne ratez pas cette promotion.